avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez pris de bonnes résolutions. Je suis sûr que mon invité d'aujourd'hui, que j'adore, c'est ma première invitée de l'année, Mathilde Seigné, bonjour. Bonjour Bernard. Tu es émue alors? De te voir? Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Ouais, on se connaît bien, mais on ne s'était pas vu depuis... Oh. Ouais, très longtemps. Très longtemps. Et alors, tu as pris de bonnes résolutions pour 2023? C'est dur, hein? Je sais pas. Je sais pas, elle dit. Voilà, oui, 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 Bernard, oui, bien dis sûr. Oui. Sois mignonne, dis oui, plein. Dis oui. Allez, Cœur de rocker est sorti il y a quelques jours. C'est un film très touchant, très bouleversant. J'aimerais que tu le racontes. Mais moi, j'ai adoré et on va en parler pendant toute l'émission, évidemment, parce que c'est, je sais pas, c'est un message d'espoir aussi pour les seniors. C'est un film intergénérationnel sur les seniors. C'est une chorale, une histoire vraie d'une chorale qui s'appelle Salt and Pepper. Ça s'invente pas, poivre et sel. Qui a vraiment existé. Ceux qui parle pas. Qui existe. Ouais, qui existe à Dunkerque. C'est très régional du Nord et ils ont voulu chanter du rock. Ils ont fait la première partie de Metallica et moi, je les coach. Je suis une chanteuse en galère qui ne perce pas du tout. Une galérienne, dit ton galérienne, mari. Galérienne, dit mon mari. Mon ex-mari. Ton ex-mari, absolument. Et je vais les coacher, ils vont chanter du rock et ils ont signé avec une maison de disques. Voilà, c'est une jolie histoire vraie. Universal, et c'est vrai. Universal, et c'est vrai. Ouais. Et ça met en valeur ce qui est assez rare dans le cinéma. Bon, il y a une maison de retraite, mais les seniors. Absolument. Les seniors. C'est pour ça que moi j'y pense, ça me touche beaucoup. Qui sont rock'n'roll. C'est le rock'n'roll, c'est notre jeunesse. Enfin, absolument. Moi un peu, moins. Mais les 70 ans, c'est leur jeunesse. Absolument. On va écouter la bande-annonce du film. Je sais pas, il dit que t'es une galérienne. Vous montez une chorale de vieux. Jusqu'au bout, ça se répète. Choudigo, choudissez. Quelque chose contre les clashs. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à l'autre? Qu'on chante du rock ou autre chose? Ça rentre pas dans la case. La case vieux. Tu as parlé beaucoup de quand même depuis que t'es à la retraite. 4 ans même. Ah, mais c'est un film de très musical, mais tu aimes, toi, ma chère Mathilde Seigné. Parce que d'abord, tu chantes au début déjà Gabriel. Oui, je chante un peu, pas non. Non, tu chantes beaucoup. Niagara. Oui. Et Gabriel. Oui, 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 mais tu aimes ça chanter, je le sais. J'adore. Sur camping, quand je suis bourré, sur camping, tu chantais sur camping. Quand je suis un peu bourré, je chante très très bien. Bon, amenez quelques boissons donc. Mathilde Seigné est trop tôt là, et notre premier invité, Cœur de rocker est sorti sur les écrans pour Sur Musique avec Queen justement. We Will Rock You, c'est sur RFM. Ça c'est les Clash. C'est Mathilde Seigné, notre invitée sur RFM. Cœur de rocker est sorti il y a quelques jours, une comédie populaire, divertissante, émouvante. J'ai envie de dire ça. J'étais très touché. En plus, c'est un film, comme on dit, feel good aussi, tu sais. C'est un film aussi sur le lien social. C'est-à-dire que bon, bah, quand on vieillit, on a plus de chances d'être seul. Et bah, ils se retrouvent avec cette chorale. Ça leur donne de la jeunesse et le moral. Le refus de la résignation aussi. Le refus de la résignation, ça, et important. Puis ça leur donne une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse. Ça. Puis le rock, ça tient en forme. Hein. C'est quand même de l'adrénaline, début, le rock. Parce qu'au début, il faut dire que l'adjoint... Non, au début, ils chantent plutôt des comptines. Des comptines, le pont de Nantes, voilà. Et ils n'aiment pas du tout chanter ça, ils veulent chanter du rock. Et puis toi, tu es un peu en galère à ce moment-là, c'est ce qu'on disait, ta carrière peine à décoller, c'est vrai. Et puis tu acceptes ce drôle de job de s'occuper, tu as fait une drôle de tête en les voyant, etc. Mais vous allez voir, c'est charmant. Et d'ailleurs, je voulais citer le casting, parce qu'il est beau le casting. Il y a Andréa Ferréol, il y a Anne Benoît, il y a Bernard Lecoq, il y a Patrick Roca, il y a Brigitte Rouen, Myriam Boyer. C'est ça, Armel Dutch. Anne Benoît, tu l'as dit. Ouais. Tu l'as dit, ouais, c'est un très beau casting. Allez, Niagara, justement, j'ai vu. Ça, tu le chantes très très bien. Hein. Ouais, pas mal. Allez, c'est sur RFM. Niagara, bien sûr. C'est Mathilde Seigné, notre invitée pour Cœur de rocker, qui est sorti il y a quelques jours. C'est un film très joyeux, très très gai. Et c'est vrai que les seniors, bon, c'est un film tout public évidemment, on recommande à tout le monde, mais c'est vrai que les seniors vont s'y retrouver, ça va leur faire plaisir, parce que souvent on n'y pense pas assez aux seniors. On fait pas tellement de films pour eux. Jamais, à part, tu as raison. Et les seniors et les chorales. Oui, les chorales aussi, c'est vrai. Parce que moi je vois, j'ai sillonné la France un peu avec ce film, et alors il y a beaucoup de seniors, faut reconnaître, qui viennent avec leur petite fille ou c'est leurs petits-enfants, ouais, pas tellement de générations entre. C'est des seniors ou des très jeunes et des chorales.
Mais c'est ça qui est marrant. Mais Elsa, vous allez voir dans le film. France, parce qu'il y a beaucoup de chorales en France que je ne savais pas d'ailleurs. Bah si, dans tous les villages, il y a toujours une chorale. Oui, mais je ne savais pas à quel point ça continuait encore. Ça continue toujours. Mathilde Seigné, notre invitée, on la retrouve tout de suite après ça. Chers amis, on a le plaisir d'accueillir Mathilde Seigné. Le film Cœur de rocker est sorti il y a quelques jours. Chère Mathilde, c'est que je te connais bien. Et là, j'ai quelqu'un au téléphone que tu adores. Que tu adores vraiment à la folie. Tu connais toutes ses chansons. Ah, c'est Claude Barzotti. Ben oui. Eh oui. Claude, mon cher Claude. Bonjour, Bernard. Bonjour, Mathilde. Bonjour, Claude. Bonjour. Comment ça va? Je suis contente de t'entendre. Ben moi, je suis ému. Oh. Il est toujours ému, hein, pourtant vous vous rencontrez déjà. Tu sais, Claude Barzotti, c'est très gentil à toi de participer à cette émission. Mais tu sais qu'elle t'adore, elle connaît toutes tes chansons, mais elle a sait, tous tes albums. Il le sait, il sait, il oui. Et tu as même écrit, Claude, une chanson. Ouais. Mademoiselle. MS. Ouais. Ouais, ouais, c'était pour toi, ouais. Ouais. Voilà, je voulais comme ça qu'il nous fasse un petit signe, parce qu'il t'adore et elle t'adore aussi. Mon cher Claude Barzotti, on est tellement heureux de t'entendre. Mets son titre derrière, s'il te plaît, parce que nous, on adore Barzotti aussi. Plus fort. Voilà, mon cher Claude, je voulais vraiment que tu interviennes dans l'émission, ça nous fait tellement plaisir. Il est très loin, là. Je t'embrasse. Moi aussi, Mathilde. Allez, c'est très gentil, Claude Barzotti, d'avoir participé. Merci beaucoup, on t'aime beaucoup, mon cher Claude. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est génial, on a eu Claude Barzotti en direct. On poursuit avec quelqu'un que tu adores aussi, Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Et celle-là, tu la connais par cœur aussi. Hein. Allez, c'est sur RFM. La Mathilde est revenue dans Cœur de rocker. Mathilde Seigné, ma première invitée de l'année. Je suis tellement content. Tu adores cette chanson aussi. J'adore Brel. Et alors, qu'est-ce que tu as fait depuis un petit moment? Tu avais disparu des écrans. Je suis en pause. Je suis c'est en vacances. Bien que dit ça. Tu es en vacances. En vacances. Ouais. Non, bon, j'ai beaucoup travaillé. De ta famille, de ton fils. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, Bernard. Tu le sais. Je sais. Oui. Et j'ai perdu mon papa il y a 2 ans et mon ami Yves Régnier. Et dans ça m'a tellement foutu un coup que je me suis dit tiens, je vais profiter de la vie. Oui, profiter ça, de la parce vie. Parce que ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Et puis de travailler, on fait que ça. Il y a donc c'était vraiment une décision. Que j'apprécie énormément. Le problème, c'est que je suis tellement contente de ne plus travailler. Que tu ne veux plus travailler. Ben, c'est ça, c'est comment je vais refaire. Pour... Ça, c'est bien. Non, toi, je vais retravailler, mais déjà, la promo me fatigue, alors t'imagines. Ah, mais c'est agréable, t'es fatiguée, là? Non. Non, là, je ne suis pas fatiguée, mais je veux dire, comme je n'ai rien fait pendant un an, et là, il me pompe oui. En promo avec le film et tout. Oui, je suis plus habituée. Quoi. Surtout ton attaché de presse, il est très lourd. Non, il faut quand même le dire. Moi, je l'adore. Heureusement que j'ai mon Laurent Renard, je lui rends hommage. Il est super. Dis-moi, le temps qui passe, c'est quelque chose auquel tu penses beaucoup? Non. Non? Non. Tu t'en fous? Parce qu'on dit toujours, les actrices, au bout d'un moment, ah, ça, après, ça devient dur, les rôles, on n'a plus des rôles pour nous. Ah non, 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 non. Mais moi, non, parce que moi, j'ai toujours joué des rôles de la vie de Madame Tout-le-Monde. Des métiers, des médecins, des agricultrices, des flics. Et donc, et là, une pauvre meuf chanteuse qui galère et qui va coacher des seniors. Non, moi, j'ai pas peur de vieillir parce que j'ai un emploi qui se fond un peu dans... Enfin, même si je suis vieille et moche, on s'en fout, on me prend. En gros. Elle me fait rire. Tu me fais rire. Mathilde Seigné, notre invitée. On poursuit avec Michael Jackson, Black or White sur RFM. Mathilde Seigné, notre invitée, première invitée de l'année, cœur de rocker. On a adoré le film et tu es comme toujours. Tu sais pourquoi tu es aussi populaire que ça, que les gens t'adorent? Dès qu'on dit Mathilde Seigné, on aime. Ah bon? Oui. C'est ton côté franc. Ah non, il y a des gens qui m'aiment pas. Quand même. Oh, écoute, Mathilde, si tu as journée. Bah, alors... Si on tape sur ces débiles réseaux sociaux. Alors ça recommence. Alors elle n'aime pas les mails, elle n'aime pas les réseaux sociaux. Non. Il y a plein de trucs que tu n'aimes pas. Hein. Non, ouais. Tu te sens toujours en décalage un peu avec oui. Notre monde. Oui. C'est vrai. Je suis une brebis égarée du troupeau. Oui, oui, je me sens en décalage. Non, il y a plein de trucs que je déteste Facebook, dans cette époque, oui. Facebook, tu n'aimes pas. Bah, Facebook déjà... Le pognon, les magouilles, les réseaux sociaux, voilà. Ouais. Facebook déjà, une émission chez Delarue il y a très très longtemps, donc je croyais que c'était un site porno.
Non, mais c'est vrai, hein, je vous jure, hein, je parle pas anglais, donc Facebook, je croyais que c'était un truc. Je dis, ah non, non, moi je suis pas sur les réseaux porno. Non, non, je n'aime pas tout ça. Et donc, pourquoi on disait ça? Mais non, parce que je disais que tu avais un côté décalé avec ce monde, ah oui, le côté populaire, décalé. L'actrice populaire. Oui, oui, ah oui, qu'on m'aimait. Tout. Oui, oui, oui. Non, j'imagine qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et j'espère. En tout cas, tu es une belle actrice parce que tu passes du drame à la comédie avec une grande facilité. Merci, Bernard. Et c'est vrai. Je ne vais pas citer tous tes metteurs en scène, mais enfin, ça va de... Oui, comédie, je fais de la comédie, ouais, du drame. Je fais alors, il y avait ta copine Valérie Guignabaudet qui t'a bien fait tourner aussi. C'était de très beaux films. Il y a Philippe Harel, il y a Christian Carion, bien sûr. Hein. Dominique Moll, Harry, Tony Marshall, Lelouch, qui n'est plus là Claude non Miller, plus. Le... Ouais, ouais, c'est vrai. Calberac aussi. Ouais, hein, ouais, c'est vrai. Et Claude Berry même aussi, qui n'est plus ouais, là non plus. Qui n'est plus là. Une belle carrière. Tout le monde s'en va. J'aime bien le côté blind test, justement, à propos de Tout le monde s'en va. Ici, on aura le temps. Le principe du blind test, c'est de retrouver qui chante. Je suis sûr que tu ne vas pas trouver. Là, qui chante là, cette là, chanson. C'est quelqu'un qui a tourné avec toi. C'est Mylène de Montjoux. Ah, ben oui. Bah, ah, j'ai reconnu tout de suite, je ne savais pas qu'il fallait jouer. Oui, ben si, c'est un jeu. Ah, d'accord. Et Mylène, justement, qui est partie l'année oui. dernière aussi, qui nous a chante fait beaucoup un petit de peu comme Bardot. Oui, bah, c'était l'époque, hein, le c'était style l'époque. Bardot, la jolie fiancée de Fantomas. Ouais. C'était ouais, ça, on a adoré. Et Mylène aussi, ouais. Tu te rappelles quand on dînait avec elle, oui. à Pizzeria, là-haut ? À Arcachon. À Arcachon, ouais. Ouais, c'était pour camping. T'as toujours ta maison, tu as une fille qui oui, je qui dis parle. Rien. Ah, d'accord. Il oublie qu'elle est à la radio. On dîne quand, Bernard ? Truc absurde. Ça, c'est ma petite sœur. Ouais. Marie-Amélie Seignier, que j'aime ouais, beaucoup. Ouais, que j'adore aussi. Je me demande, c'est pas une chanson de mon père, mais je ne suis pas sûre. C'est dans les bars des grands, des grands hommes. Hôtels. Des grands hôtels. Des grands hôtels, ouais. Ouais. Absolument. Ouais. Allez, un dernier titre. Oh bah, Dany, Daou. Mais je sais, parce que justement, tu évoquais tous tes amis que, disparus. Tu les as évoqués il y a quelques instants. Dany aussi, c'était ta grande copine. Dany, c'était ma grande copine. Ma sœur avait chanté, elle était perpignanaise. J'ai une maison pas loin. Ma sœur avait chanté 15 jours avant et moi je devais dîner avec elle deux jours après sa mort. Enfin, c'est un truc de dingue. Oui, vous aviez même rendez-vous et tout. Oui, oui. On devait dîner à Perpi. Ouais. Voilà. Allez, on poursuit en musique avec Étienne Daho et Dany comme un boomerang, justement. Souvenir. Mathilde Seignier, notre invitée, cœur de rocker, évidemment, on chante aussi Souvenir dans le film. Et Johnny aussi. Et ton copain Johnny. T'as envie de dire quelque chose sur Johnny? On a célébré bah, tu sais, non, les 5 ans. Non, je pensais les 5 ans, et puis non, mais comme Yves... Yves Régnier. Comme Yves Régnier, des gens qui manquent beaucoup, avec leurs immenses qualités, défauts, tout. En fait, c'était des personnalités, des figures qui avait des telles présences qu'on s'ennuyait jamais. Je trouve qu'on s'ennuie depuis que tous ces gens-là s'en vont, même Dany, tout ça. C'est une génération qui était beaucoup plus rock'n'roll, pour le coup, qu'aujourd'hui. Et t'avais une relation, et je suis témoin, une relation exceptionnelle avec Johnny. Oui, on s'engueulait pas mal. Ouais. Oui, c'était un peu fort, hein. c'était assez rigolo. Mathilde Seignier est avec nous, actrice populaire, comme on le dit. Ça te plaît qu'on dise actrice populaire ? Bah oui, qu'est-ce mais que... Parce que c'est vachement bien, oui, populaire. C'est bien, c'est ouais. bien, c'est bien. Et tu attends toujours de tourner avec Jacques Audiard ? Bah oui, j'aimerais bien aussi. Je trouve que c'est pas parce qu'on est... Ce qui est dommage en France, c'est qu'on nous met dans des tiroirs. Donc, c'est pas... on peut être populaire, tourner avec Jacques Audiard. Et ou puis Fabien faire Tenente. Aussi, exactement, faire autant camping que des films d'auteur. Mais le problème en France, c'est que c'est très cloisonnant, très clanique. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Allez, on poursuit en musique justement avec Johnny Hallyday et Laura, c'est sur RFM. Cœur de rocker, mais ça ne s'écrit pas de la même façon, le cœur de rocker. Là. C'est le nouveau film avec Mathilde Seignier, notre première invitée. Mathilde Seignier, tu sais que je t'adore. Parce je que sais, tu es, tu moi es, aussi, hein, je t'adore. Tu es magnifique. On ne voit pas assez souvent. On fait discussion privée à la radio. Mais c'est bien, c'est quand bien. Quand est-ce qu'on dîne, Bernard? Très vite, très Mathilde. Vite. Tu vois, on te et fait... les voix un peu sensuelles. Les voix sensuelles, Mathilde Seignier. Bonsoir. Namour, toujours, tu l'appelles en hommage à Johnny Hallyday, Mathieu. Namour. Tu l'appelles Namour. Ton fils Louis. Tu l'appelais Johnny Mamour. Mamour, oui, c'est pour ça. Et ton fils Louis, qui est né un 10 août 2007. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Oh là 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 là. Ouais. Alors, quel moment es-tu ? Ça, c'est dur. Ouais, c'est dur. Non, 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 non. Je suis assez cool quand même.
C'est vrai? Ouais, je suis assez cool. Oui, mais tu dois avoir de la rigueur. Ouais. Strict, je veux pas qu'il mente. Quand tu lui dis tu rentres à telle heure, je veux qu'il rentre à telle heure. Je suis très inquiète. Je suis hyper angoissée, en fait, comme maman. Donc, s'il n'est pas rentré, tout ça, ça me... Et 15 ans, c'est difficile, en plus, c'est l'âge un peu difficile. Oui, mais il est très facile, là, maintenant. Ah. Ouais, il est très facile. Il est cool et il est mignon, et puis il fait 1m83. Ah, oui, donc il faut être très cool. Ça fait drôle. Il faut être très, très cool. Ah oui, il faut que je sois cool avec lui, pas me prendre un... Cœur de rocker, actuellement sur les écrans, inspiré d'une histoire vraie, puisqu'ils ont vraiment signé chez Universal. Enfin, on ne raconte pas la fin. Enfin, ils existent, c'est, ils vraiment. Ils existent toujours, oui. C'est une chorale du côté de Dunkerque. Oui. Et tu joues cette, je ne sais pas comment on dit, maîtresse de chorale, chef de chorale? Chef de chorale, sans doute. Espèce de coach... Voilà, en tout cas, c'est un film drôle aussi, émouvant, touchant, message d'espoir aussi pour tout le monde. Il y a une respect pour les seniors. Comédienne qui chante Anne Benoît, qui chante Bowie sans vendre la scène, qui a une voix extraordinaire. Non, ça, c'est une espèce de comédie anglaise, un peu à la Full Monty. Exactement, c'est exactement ça. Bravo, c'est exactement ça. Oui. Bravo Mathilde Seigné. Merci Bernard. C'était un grand plaisir de t'avoir. À bientôt à dîner. Allez, chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Cœur de rocker sur les écrans avec notre invitée Mathilde Seigné. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RFM et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.